The George Brown Award for Investigations pays tribute to the founder of the Globe, who made it his mission to demand that governments apply both fairness and compliance with constitutional principles. George Brown's Globe of the 1800s set out accusations of corruption and double dealing and backed them up with hard evidence. This award honoring investigative journalism that afflicts the comfortable is sponsored by the Globe and Mail. The John Wesley Defoe Award for Politics honors the longtime editor of the Winnipeg Free Press, who is often called the greatest Canadian journalist of his time. During his 43 years as editor, the Free Press was considered one of the great newspapers of the world, and John Defoe's writing was required reading in the corridors of power. This award is sponsored by Ron Stern. Le Prix E. pour le Journalisme Specialisé. rend hommage à l'une des pionnières dans les annales du journalisme canadien Ikora e. hind a été non seulement la première femme à travailler comme reporter mais elle a aussi participé au mouvement des suffragettes contribuant à la lutte pour que les femmes obtiennent le droit de vote the john hondrick award for project of the year pays tribute to a man who had an outstanding career at the toronto star as a reporter foreign correspondent editor publisher and chair of the board John Hondrick was a lifelong advocate for excellence and integrity in journalism and newspapers important role in preserving a healthy democracy as publisher he advocated for critical public issues such as national unity youth unemployment racial diversity healthcare and the promotion of literacy he also personally sponsored education for journalists in Africa this award is sponsored by the Hondrick family Le prix Bob Laven pour le reportage bref honore un véritable réviseur de rédaction. Bob Laven comprenait la puissance d'une histoire qu'on raconte, mais aussi la nuance du choix de chacun des mots. Réservé, attentif et avisé, Bob Laven était le genre de réviseur que tout journaliste souhaite. Quelqu'un qui peut vous aider à trouver une expression pour votre article dans un ton que vous n'aviez jamais pensé imaginer. Ce prix est commandité par le Globe ⁇ Mail. Le prix Claude Ryan pour l'éditorial rend hommage à un homme qui a eu une grande influence dans le monde du journalisme au Québec. Claude Ryan a été un directeur de grand renom du journal Le Devoir, avant de devenir leader du Parti libéral du Québec et, à ce titre, chef du camp du non lors du référendum de 1980 sur la souveraineté. Ce prix est commandité par la famille Ryan. Le prix Mary Ann Chad Carey pour la chronique rend hommage à une éditrice de journal du 19e siècle, qui a joué un rôle de pionnière. Née aux États-Unis et élevée par des parents noirs libérés qui ont été très actifs pour l'abolition de l'esclavage, Mary Ann Chad Carey s'est établie dans le sud-ouest ontarien au début des années 1850. Elle y a fondé le Provincial Freeman, un journal de combat pour l'abolition de l'esclavage et la libération complète des personnes ayant été réduites à l'esclavage la devise du journal était l'autonomie et la véritable voie vers l'indépendance. the william southam award for long feature is an honor of a canadian newspaper publisher who rose from a 12-year-old paperboy to founder of what became the country's first and largest newspaper group. His name lives on in the William Southern Journalism Fellowships at the University of Toronto's Massey College. This award is sponsored by the Fisher, Bowen, and Balfour families. Le prix Norman Webster pour le reportage international rend hommage à un homme qui a eu une carrière influente remarquable au Globe and Mail. On se souvient plus particulièrement de Norman Webster pour sa couverture de la diplomatie du ping-pong au début des années 1970, quand les relations ont commencé à s'ouvrir entre la Chine et l'Occident. Ce prix est commandité par la famille Webster. Et maintenant, place au spectacle.